Montgomery, Alabama, 1960. City of the famous bus boycott. I see trouble in the air. The Dexter Avenue Baptist Church, whose pastor was Martin Luther King. Officers of the peace, citizens of Montgomery. Waiting as Negroes prepare to march on the municipal building in support of sit-ins who demonstrate against lunch counter segregation. I see trouble in the air over my head. I see trouble. Of arrest, threats of jail terms, and violence all failed to put out what burns in the hearts and minds of the youngsters. Sale nègre. Mais voilà, nous autres les nègres, les niggers, les sales nègres, nous n'acceptons plus, c'est simple, fini d'être en Afrique, vos nègres, vos niggers, vos sales nègres. Nous n'acceptons plus, ça vous étonne de dire « Oui, monsieur » en cirant vos bottes ?« Oui, mon père » aux missionnaires blancs ?« Oui, maître » en récoltant pour vous la canne à sucre, le café, le coton, l'arachide. En Afrique, en Amérique, un bon nègre, un pauvre nègre, un sale nègre que nous étions, que nous ne serons plus. Fini ! On ne verra plus nos « Yes, sir » »,« Oui, blanc, si, seigneur » et « Garde à vous, tirailleurs !» Oui, mon commandant, quand on nous donnera l'ordre de mitrailler nos frères arabes en Syrie, en Tunisie, au Maroc et nos camarades blancs, grévistes, crevant de faim, opprimés, spoliés, méprisés, comme nous les nègres, les niggers, les sales nègres. Surprise, quand l'orchestre dans vos boîtes à rumba et à blues vous jouera tout autre chose que n'attendait la putainerie blasée de vos kiki, golo et salopes diamantées pour qui un nègre n'est qu'un instrument à chanter, n'est-ce pas? À danser, of course. À forniquer, naturally. Rien qu'une denrée à acheter à vendredi sur le marché du plaisir. Rien qu'un nègre, un nigger, un sale nègre. Haïti, c'est un cas d'immense déception pour la presse internationale. Mais là, je dépasse carrément le cadre national. Haïti, c'est un pays où il y a eu énormément de journalistes de courage. C'est vrai qu'on connaît beaucoup plus Jean-Dominique, qui était le plus vocal, le plus symbolique. C'est vrai qu'on a entendu parler de Brignol Lindor. C'est vrai qu'on a entendu parler de quelques noms, de Michel Montas et tout. Mais tous ces gens-là, ils ont baigné dans un bassin d'une volonté réelle du journalisme haïtien de faire la différence, de traquer l'information, de traquer la vérité où qu'elle se trouve. Jean-Dominique était leader, mais derrière lui, il y avait une machine, il y avait un engouement, il y avait une volonté, il y avait une soif de la population de ce genre d'informations. Il y avait des équipes techniques qui l'aidaient, il y avait des communautés, des familles, des pères, des parents qui faisaient sa popularité en l'écoutant, en le suivant, en l'appuyant, en le cautionnant. Et du jour au lendemain, le pouvoir a pris la main haute, le pouvoir a gagné la bataille, il a commencé à en tuer quelques-uns, à harceler d'autres, à en blesser plusieurs, à menacer plusieurs d'entre eux. Et nous, l'Occident, porteur des valeurs, des discours de démocratie, de défense des droits de l'homme, on n'a pas été suffisamment rapide, on n'a pas été suffisamment fort, on n'a pas été suffisamment agissant pour aider ces gens-là. C'est certain qu'avant de partir à Juarez, les journalistes mexicains me disaient « faut pas y aller, ça va être dangereux, ils vont mettre ta tête à prix, etc. »
en contrepartie, les journalistes étrangers me disaient, ben, tu sais, ils vont pas toucher une journaliste étrangère parce que c'est le début de la fin, la planète va être fixée sur ce problème-là. Bon. Donc, je suis partie avec des T-shirts. J'ai acheté des T-shirts Canada, j'ai collé des feuilles d'érable sur tout. On s'est vraiment affiché. C'était très drôle d'ailleurs, mais bon, je me suis vraiment affichée. On a été intimidés dès qu'on a mis les pieds dans l'avion. C'est évident que c'est une équipe de télé, j'arrive avec la caméra. Et ils sont pas fiers. C'est sûr que tu t'en vas pas en vacances à Juarez, c'est pas le Club Med, donc tout de suite, on t'indique que t'es pas bienvenu. Nous, on a caché le nom de l'hôtel, évidemment, on changeait d'hôtel. Les gouvernements ont essayé de savoir où est-ce qu'on était. Ils ont beaucoup insisté. Et puis finalement, les narcotrafiquants nous ont fait savoir qu'on n'était pas les bienvenus, qu'il était temps qu'on parte. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a divisé le tournage en 3 blocs. Parce qu'après 5 ou 6 jours, ça devenait vraiment trop dangereux de rester sur place. Donc, la première fois, on a traversé du côté américain, où on a été pris en charge par la FBI. Et de là, on est rentré sur Mexico. La deuxième fois, on est allé, on est revenu. La troisième fois, il n'y a que l'équipe technique qui est allée parce qu'il manquait quelques petites choses assez simples. Donc, j'ai envoyé le minimum de personnes. Mais oui, on est intimidés. Puis oui, fait peut-être qu'il y en a qui n'ont pas peur. Moi, j'avais peur. Quand je suis partie, je me rappelle, je ne savais pas ce que c'était qu'un narcotrafiquant. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, ne t'en fais pas, quand tu vas en voir un, tu vas dire, ah oui, ça c'est un narco. Maintenant, je sais ce que c'est qu'un narco, et quand il est à 2 pouces de ton nez, il dit, je crois que vous devriez partir, ben moi je suis partie. Moi, je suis pas très brave, je suis allée au maximum de mes possibilités, mais je veux pas faire mourir mon caméraman pour un tournage. Moi, j'ai des enfants, il faut que je sois à la maison, donc... On a fait notre travail, mais on n'a pas insisté sur le danger. Je veux dire. Mais on a quand même tourné en pleine nuit un déchargement de drogue à 3 heures du matin. Où autour du camion, il y avait la police municipale, provinciale et fédérale. Et on a tourné ça en téléphoto. Bon, mais c'est épouvantable. On risquait notre vie, mais en même temps, si on ne montre pas, ben, le problème va continuer. Il faut qu'on montre. Qu'est-ce que c'est que le problème? En vertu du Patriot Act, il y a 2 exemples, en fait. Un retraité en San Francisco qui était à son club de retraité, puis il avait dit, je pense que la guerre en Afghanistan, je ne suis pas sûr. C'est pour moi, je ne sais pas si c'est légitime ou non. Puis, il s'est fait dénoncer par ses compatriotes et il a été interrogé par l'FBI. Puis, un autre exemple, c'est un étudiant qui avait un poster de, je ne sais pas c'était quoi, le Bush... terroriste de rechercher, là, peu importe le message. Puis l'école a averti les autorités de la FBI encore une fois. Puis c'est jusqu'au cœur des jambes infernales retentira précipité le terrible bégaiement télégraphique des tam-tams, répétant que les pères n'acceptent plus d'être vos niggers. Trop tard, quand nous aurons surgi des cavernes de voleurs de mines. D'or du Congo et du Sud-Afrique. Trop tard, il sera trop tard pour empêcher dans les cotonneries de Louisiane, dans les centrales sucrières des Antilles, la récolte de vengeance des nègres. Des niggers, des sales nègres. Il sera trop tard, je vous dis. Quand jusqu'au tam-tam auront appris le langage de l'international. Car nous aurons choisi pour notre jour le jour des sales nègres, des sales indiens. Des sales hindous, des sales indochinois, des sales arabes, des sales malais, des sales juifs, des sales prolétaires. Et nous voici debout, tous les damnés de la terre, tous les justiciers, marchons à l'assaut de vos casernes et de vos banques comme une forêt de torches funèbres pour finir une fois pour toutes avec ce monde de nègres, de niggers, de sales nègres. And look out upon the thousands of Negro faces and the thousands of white faces intermingled like the waters of a river. I see only one face, that is the face of the future.